viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de l'éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sans de nos âmes, toi qui es monté. Loi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Psaume 118, strophe 12. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Ah, je m'aime. C'est ta loi qui fait les cieux.
mystères. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis bien sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. Le taux de perfection, j'ai eu le goût. Oh, ils sont là, je t'exhorte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi, j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Ennemis me malmènent, quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air, le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous à l'envi, les ennemis chuchotent contre moi, ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi. Fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Alors je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne, tu n'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irai-je? Envoie ta lumière et ta vérité.
venir sur moi. Espérant Dieu, je louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empan les dimensions du ciel, jugé au poisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez qui a créé les astres. Le Seigneur déploie au bon ordre les relevés et les appelle chacun par son nom. Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Alphonse Gutmann, prêtre orthodoxe, la joie. Nous avons dans la joie la trame sous-jacente à toute la Bible. Celle-ci est une bonne nouvelle dès les origines et portera explicitement le titre d'évangile « Bonne nouvelle » quand elle éclatera dans sa plénitude par la venue du Messie, qui est le visage même de la joie. C'est cette annonce ou cette présence joyeuse qu'il faut comprendre et n'est jamais oublié quand on lit dans l'Ancien Testament ces textes apparemment anodins qui racontent à quel point l'homme aime la vie. Que ce soit la joie de la moisson, le partage de la vie avec la femme que l'on aime, la venue des enfants, tout est épiphanie, manifestation d'une présence aimante. Or, quand Dieu se donne, ce n'est jamais passivement. C'est une présence créatrice, vitale, qui suscite l'homme et ne cesse de le libérer, de le mettre en chemin vers un accomplissement. Que ce soit dans la simplicité cachée au creux du quotidien ou lors des grandes libérations historiques du peuple, Israël ne se trompe pas, car c'est le Seigneur qui ramène les captifs de Sion, c'est toujours lui qui emplit notre bouche de rires et nos lèvres de chansons. Dans cette joie folle,
se trouve le cœur de la Bible, sa direction profonde, jusqu'à ce qu'elle éclate un jour dans la venue du libérateur lui-même, le Messie. Jésus manifeste la constante de toute l'histoire, celle d'une libération incessante et qui, avec lui, arrive à terme. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Dans ce texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux compare la vie chrétienne à une course. Pour mener cette course, il nous faut nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit. De notre péché, bien sûr, mais aussi de toutes les fausses idées que nous pouvons avoir sur nous-mêmes et sur Dieu, sur ce que Dieu attendrait de nous, sur ce que nous sommes censés faire. Ainsi allégés, nous pourrons être plus disponibles aux inattendus où la rencontre de Dieu ou des autres viendra nous chercher. Cette course, il faut aussi la courir avec endurance, c'est-à-dire continuer à travers tous les découragements, car il y en aura, les fatigues, l'impression parfois aussi que tout cela n'a pas de sens et que nous ferions mieux d'abandonner, ou même que nous aurions mieux fait de ne jamais commencer. « Je me suis fatiguée en vain », ce verset du livre d'Isaïe, au cœur de quel homme ou de quelle femme n'est-il jamais monté, en particulier quand nos efforts pour faire le bien se sont avérés inutiles ou incompris. Pour nous aider dans cette épreuve, il y a Dieu, bien sûr, mais il y a aussi toute une nuée de témoins. Ce sont tous ceux dont l'auteur de l'Épître a retracé le parcours juste avant, tous les grands croyants de la tradition, depuis Abraham. À ceci, nous, aujourd'hui, pouvons ajouter tous les saints qui ont laissé le Seigneur prendre la première place dans leur vie au cours de ces 20 siècles de christianisme. Ceux-ci nous soutiennent par leur exemple, par leur vie donnée, chacun selon sa grâce propre. Ils nous soutiennent bien sûr aussi par leur prière, car ils désirent que notre vie soit donnée au Seigneur au même titre que la leur, eux qui savent d'expérience que le plus grand bonheur est de cheminer avec le Seigneur tout au long de la vie. Cette nuée de témoins, c'est aussi ce qui nous entoure très concrètement aujourd'hui, ceux qui partagent notre quotidien ou qui croisent notre route et qui nous renvoient quelque chose de la présence du Christ. Mais pour courir une course, il faut aussi tendre vers un but. L'Épître aux Hébreux nous l'indique clairement. C'est Jésus qui est au terme de notre foi. Il en est aussi à l'origine, et c'est pourquoi nous le reconnaissons. Il n'est pas un grand inconnu qui ferait peur, mais celui de qui nous vient la foi, qui était là dès les prémices de cette foi et qui lui donne un air familier, comme seul peut le faire un Dieu qui s'est fait homme et connaît de l'intérieur notre condition humaine. Lui aussi a couru une épreuve avant de rejoindre, lui aussi, celui en qui il avait mis sa foi, le Père, auprès de qui il siège à présent éternellement. Ainsi, nous savons que notre foi, à l'image de la sienne, n'est pas vaine. Il peut nous arriver d'être tentés par le découragement. Tournons alors nos yeux vers le Christ et nous verrons que son don à lui n'a pas été stérile. C'est l'humanité entière qu'il est en train de ramener à son Père. À notre rythme, c'est-à-dire parfois aisément, souvent laborieusement, mais dans une course que rien ne peut arrêter. Lui a résisté jusqu'au sang dans sa lutte contre le péché. Et ce sang, ce n'est pas pour lui-même qu'il l'a versé, mais pour nous montrer jusqu'où peut aller l'amour. Nous aussi, glorifions donc Dieu dans notre corps. Ce corps, avec la vie qu'il irrigue, est aussi pour nous, même s'il nous est parfois à charge, à cause de sa pesanteur et de ses infirmités, le fantastique moyen que nous avons de faire la volonté de Dieu, d'entrer en relation les uns avec les autres, de voir et d'être vu, d'agir, d'être l'objet de la sollicitude des autres. Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux dont la foi, l'espérance et l'amour sont mis à l'épreuve. Sois leur secours. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ont dû quitter leur maison ou leur pays à cause de leur foi en ton nom. Que l'esprit de force et de consolation demeure auprès d'eux. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui ont consacré leur vie pour ton amour et le salut de leurs frères, qu'ils retrouvent auprès de toi la joie et puissent en rayonner sur ceux qui les entourent. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu nous invites à te glorifier dans notre corps, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. À nos saints Marie, quel serait la mère du Sauveur?
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair et il a